très important ici à Marrakech. D'abord, c'est un village qui, comme on les appelle, qui a beaucoup d'importance historique pour nous, puisque c'est un des premiers Club Med qui a connu un succès international. C'est là aussi où j'ai annoncé la montée en gamme du Club Med et que nous avons traduite par la création de ce Club Med de Marrakech, la Palmeraie, et puis du Riad, qui est le premier Club Med Exclusive Collection, qui est aujourd'hui un axe stratégique de développement du Club Med partout dans le monde. Il y avait nécessité, opportunité de le rénover, de l'améliorer encore, pour qu'il soit au meilleur niveau de l'offre hôtelière et touristique de Marrakech, bien sûr, qui est déjà très élevée, mais aussi des destinations concurrentes. C'est ce que nous avons fait, nous sommes en train de terminer, et je pense que nous avons ici un lieu exceptionnel. Ensuite, une des idées que nous avions eues il y a une dizaine d'années, c'était de faire en sorte que ce lieu puisse être ouvert aux familles. Et donc nous avions créé un ensemble qu'on appelle le Mini Club Med, qui est destiné à accueillir les enfants. Et nous avons connu un grand succès. Je pense que c'est très important pour la destination Marrakech, parce que c'est une diversification de la clientèle. Et la clientèle famille, on le voit d'ailleurs en ce moment avec la reprise, est une clientèle qui revient plus facilement, qui est plus loyale tout simplement, parce qu'elle a besoin de partir en vacances encore plus à cause des enfants. Donc, nous nous sommes dit, il faut pouvoir offrir quelque chose qui soit véritablement adapté à ces familles, puisque ce n'était pas comme ça qu'avait été conçu ce Club Med à l'origine. Et c'est ça, c'est de ça est venue l'idée de cette extension, où on va créer donc 66 chambres, familles, et une installation qui fera que les enfants et les parents seront heureux ensemble. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier et puis je me fous.